Alors regardez, je vais la faire. Ah, c'est vous qui sous le soleil de l'Hérault, en bras de chemise. Bon anniversaire, madame. Ambiance tout de suite plus détendue. Merci pour la phrase. Séance selfie, autographe, loin des slogans et des cortèges. On ne sera pas d'accord sur les retraites, mais au moins sur l'industrie, je suis sûr qu'on le sera. Ce qui n'empêche pas le président d'être interpellé sur les retraites. Vous n'en avez rien à faire de ce que le peuple peut... Mais si, mais le peuple s'exprime par les élections. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Selon nos informations, la séquence avait été envisagée dès ce matin, mais gardée secrète jusqu'à la dernière minute pour éviter les manifestants. On ne s'est pas préparé, quand il n'y a pas de coup politique qui est fait. Il y a des gens qui me disent « je ne suis pas d'accord avec votre réforme », d'autres qui disent « je suis d'accord ». Plein de gens m'ont dit « tenez bon ». Mais la réaction est normale, c'est une réaction de citoyen. Merci, monsieur, dame. Contraste assumé à l'Élysée avec les mobilisations du matin. Dès son arrivée dans les Cévennes, un millier de manifestants jouent les percussionnistes. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, désolé. Même sans leur casserole confisquée par la gendarmerie. Moi, j'espère que ça continuera jusqu'à la fin de son quinquennat. Il ne pourra plus sortir de chez lui. À plusieurs centaines de mètres du collège, le concert ne parvient pas jusqu'aux oreilles du président, qui promet que ces manifestations ne l'empêcheront pas de poursuivre ses déplacements.